YouTube, WhatsApp, c'est votre humble serviteur, le coiffeur bantou que je suis, et la famille. Aujourd'hui, nous venons vous montrer comment faire un afro tapé, comment réussir cette coupe sans tous vos sabots. 4,5 mm, 1,5 mm, et donner le même rendu comme si on avait utilisé ces deux sabots. Et les modèles, pour avoir tout ça, il suffit de vous abonner sur notre page, de liker nos vidéos et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors nous allons commencer d'abord par tracer notre première ligne de base. Et notre première ligne de base de côté et ensuite, nous allons faire la même chose par derrière et bien limiter nos lignes de base. Et la famille, on commence d'abord par utiliser notre sabot 12 mm pour diminuer l'épaisseur des cheveux, pour baisser la masse des cheveux. Ensuite, on va passer par le sabot 9 mm et refaire le même geste. Toujours habitué voir à ce geste, on remonte en finissant avec une coupe. Ensuite, on prend notre sabot 6 mm, on continue le processus et on finit par notre sabot 3 mm pour continuer à diminuer la masse des cheveux. Il ne faut pas surtout oublier de maîtriser le mouvement de votre main, le geste, pas trop monter pour créer de nouvelles lignes. Maîtriser surtout le geste de votre main pour ne pas créer de nouvelles lignes. Et on finit avec la tondeuse de sans sabot, l'évier ouvert. Et on utilise les coins de la tondeuse. Toujours utiliser les coins de la tondeuse. N'oubliez pas les coins. Ça aide beaucoup. Et par la suite, on finit avec la tondeuse, l'évier fermé sans sabot. On essaye d'effacer la plus petite ligne visible possible. Et on finit avec notre tondeuse de contour, comme on a commencé avec, pour effacer la première ligne. On va refaire le même processus par derrière. Commencer par notre sabot 12 mm et ainsi de suite. On va descendre jusqu'à au sabot 3 mm pour essayer de créer notre dégradé propre normalement et toujours peigner. N'oubliez pas toujours peigner parce que c'est là vous permet de bien voir là où les cheveux sont coupés ou pas. Et votre client doit aussi bien positionner sa tête pour que la tâche soit un peu plus facile.
pour ne pas vous donner du fil à retordre quand vous réalisez votre coup. Et on finit par nous que ça vaut 3 millis évier ouvert. On diminue la masse. Et pour que notre dégradé commence à bien se voir, on utilise les coins de la tondeuse comme d'hab. Pour toujours faire le travail. Levier ouvert, on utilise les coins, on efface les lignes visibles, on efface cette ligne visible légèrement sans créer une autre. On continue d'effacer cette ligne juste en utilisant les coins de la tondeuse sans pouvoir créer une nouvelle ligne. Légèrement, surtout faut maîtriser vos mouvements de la main. Ne pas créer vos chaînes lignes. Surtout ça. Et éviter cela. Et on va venir finir avec nos tondeuses de contour en utilisant toujours les coins pour effacer la première ligne que nous avons tracée, notre première ligne de base, et éviter d'en créer une autre, que ça vous donne beaucoup plus de travail. On maîtrise toujours le geste de la main pour ne pas créer de nouvelles lignes. De suite, et on commence maintenant avec les contours et toujours maîtriser, chercher à faire l'arc de cercle et maîtriser la forme du visage du client pour bien réussir vos contours. Allez doucement, ne soyez pas pressé pour ne pas pencher votre ligne. Tout doucement. Et vous allez avoir un bon rendu à la fin. Vous allez suivre vos contours. Donc, allez-y pas à pas, doucement.
Ouais, les gars, vous-même, vous voyez le rendu, vous voyez comment le rendu est sorti, comment la coupe se voit déjà parfaitement. Si vous avez aimé notre petite leçon du jour, et les gars, n'oubliez pas de nous suivre. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux YouTube, TikTok, Instagram, pour avoir plus d'astuces pour réussir, comment réussir vos différents coups. Et la famille, oui, vous-même, vous pouvez constater le rendu parfait. Et il faut noter que nous n'avons pas utilisé le sabot 4,5 mm et 1,5 mm, mais le rendu est pareil. Donc, si vous avez aimé cela, n'oubliez pas de